بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك جو كونتيني سي اونتخو بروجي سيون دي كوري افيك سي شارب اي افيك اون باز دوني اس كيو سيرفر. فوالا نو افون في لا ديرنيير سيونس كومون بيان سير اجوتي لا فونكسيوناليتي كي بيرمي دونك دي بلودي دي فيشي في نوتخ باز دوني داكور اون كليكون سور لو بوتون باركورير باغ اكزومبل. فوالا جو في سيليكسيوني بيان سير انسومبل دي فيشي ا اجوتي. Bien sûr, lorsqu'on veut ajouter bien sûr un nouveau courrier, automatiquement je dois remplir les informations concernant le courrier. Et bien sûr, si nous avons des pièces jointes, bien sûr, à ajouter, donc voilà, je dois les télécharger ou je dois bien sûr les mettre dans cette liste. Et lorsque je clique sur enregistrer, donc voilà, je vais bien sûr enregistrer les informations sur le courrier. Et voilà les informations, bien sûr, ou le contenu des fichiers. Des pièces jointes, d'accord. Dans cette séance, on va voir bien sûr comment modifier le code du bouton enregistrer. Comme ça, on va bien sûr ajouter donc les fichiers ou les pièces jointes sur la table concernée. Donc, c'est la table arrivée document, d'accord. Voilà, je retourne ici. Donc, voilà, c'est le schéma de notre base de données. Si je vais ouvrir bien sûr le modèle DIMX, voilà. Donc, si vous voyez ici, nous avons la table arrivée, donc il a une relation bien sûr avec la table arrivée. Donc, d'accord, la liaison se fait bien sûr avec la clé étrangère, donc voilà, a été arrivée, donc qui est bien sûr la clé primaire de la table arrivée. D'accord, donc pour insérer bien sûr quelques données ou des informations de la table arrivée, donc bien sûr, nous avons besoin de la clé a été arrivée. Comme ça, je vais faire la liaison entre le courrier et les pièces jointes de ce courrier, d'accord. Donc nous avons besoin bien sûr donc a été arrivé, donc c'est un donc champ qui sera bien sûr incrémenté automatiquement comme vous voyez ici. Donc a été arrivé, c'est un auto incrément comme vous voyez, donc il s'agit d'une entité. Donc a été arrivé, donc vous voyez, donc il est bien sûr obligatoire, je dois le saisir. Le type de document, ça veut dire je dois mettre dans ce champ l'extension des fichiers, ça veut dire c'est un fichier PDF, XLS, document, ainsi de suite. Et le contenu de fichier, ça veut dire, comme vous voyez ici, le type c'est binary, d'accord? C'est le fichier elle-même, donc voilà, c'est le contenu du fichier elle-même, d'accord? Je dois bien sûr convertir ce fichier en bytes. Et je vais vous montrer comment bien sûr enregistrer sur la base de données. Et après, bien sûr, si on veut bien sûr le télécharger, donc ce sera très simple de le télécharger et de l'enregistrer bien sûr sur un autre emplacement. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon code, sur FLM arrivé add. Donc voilà, je dois bien sûr, comme vous voyez ici, donc voilà, je vais retourner ici sur le bouton enregistrer. Voilà ici, donc. Très bien. Donc voilà, donc lorsque je vais bien sûr enregistrer, donc en arrivée, lorsque je vais faire appel à db.saveChange, automatiquement j'ai l'accès donc à cet objet. Donc il est bien sûr enregistré si le compte est bon. Donc voilà, cet objet arrivé, donc il est déclaré ici, il est enregistré. Donc automatiquement, je dois avoir bien sûr l'accès à la clé, ça veut dire ar.aitearrivé. Pardon. Voilà, a été arrivé parce que nous avons besoin de cette variable pour bien sûr stocker arrivé. Donc, ça veut dire le détail du fichier ou du pièce jointe. D'accord? Mais avant bien sûr de créer ce code, automatiquement j'ai besoin d'une fonction qui permet bien sûr de convertir un fichier donc en binary. Comme ça, je vais bien sûr, lorsque je vais enregistrer donc ces fichiers de la base de données, donc je vais faire appel à cette fonction, donc il va les convertir en binary, ça veut dire des codes binaires, et il va le stocker bien sûr sur notre base de données, d'accord. Pour simplifier la tâche, je dois créer bien sûr une fonction qui permet de convertir un fichier, ou donc voilà, donc le chemin complet d'un fichier, donc voilà, il va le convertir, ça veut dire le contenu du fichier, il va le convertir en binary data, comme ça je dois mettre donc, ce contenu, bien sûr, sur notre base de données. Et on va voir, bien sûr, après, comment, bien sûr, télécharger le contenu de ce fichier, donc, dans le format exact, d'accord? Automatiquement, je dois déclarer, bien sûr, une fonction ici, donc, public. Donc, il va retourner, donc, un tableau de bytes, comme ça. Donc, il va retourner, bien sûr, un tableau de bytes. Je peux mettre ici, donc, le nom de la fonction,
Si vous pouvez le renommer comme vous voulez, pour moi je vais maîtriser vite Binary From File. Voilà. Et je dois passer bien sûr le fichier. C'est donc String Fichier ou String File. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Pardon, public ici. Comme ça. Donc voilà, je vais déclarer bien sûr un tableau des bytes comme ça. Donc tableau. Voilà. Bytes. Je peux ajouter S ici pour la variable. C'est très bien. Donc binary au byte comme ça. Donc c'est un tableau des bytes. Voilà, je dois bien sûr accéder à ce fichier. Donc le fichier passé ici en paramètres via donc l'objet FileStream. Puisqu'on va utiliser donc l'objet FileStream, automatiquement on va allouer bien sûr les ressources. Et après on va bien sûr détruire cette ressource, on doit les libérer. Automatiquement je dois utiliser la clause using comme ça. Donc voilà using, donc FileStream. Voilà FileStream comme ça. Je vais bien sûr mettre ici une variable fs, c'est égal à, pardon. Donc, est égal à new file stream. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, je vais automatiquement, je dois mettre ici donc le fichier, donc file. Voilà, le fichier, bien sûr, à ouvrir. Je dois mettre ici donc file mode, comme ça. Donc, c'est open, ça veut dire que je dois l'ouvrir. Et file access, donc le type d'accès, ou le mode d'accès, donc file access. Voilà, si read, ça veut dire que je dois le lire. Comme ça, je dois lire le fichier. Donc, après la lecture, bien sûr, ici, je devais déclarer. Donc, voilà, nous avons bien sûr déclaré ici donc, le tableau bytes. Automatiquement, je dois le remplir ici. Donc, bytes, je dois réserver bien sûr un emplacement de mémoire pour ce tableau. Donc, bytes, comme ça. Donc, il est égal à new bytes. Et avec la longueur, bien sûr, fs.length. Comme ça, c'est très bien. Voilà, je vais bien sûr allouer un espacement mémoire, donc avec la longueur de fs.length. Très bien. Après, qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, je dois mettre ici fs.read, ça veut dire que je dois lire le fichier et je dois le stocker bien sûr dans le tableau bytes. Bien sûr, je dois lire à partir du début jusqu'à la fin, d'accord? Et je vais mettre ici donc fs.length. Très bien, comme ça. Et il faut faire attention ici, je dois mettre ici en entier. Très bien. Comme vous voyez ici, donc je dois faire un casting ici, donc fs.length en entier. Donc voilà, parce qu'il est long ici, je dois le convertir en entier. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce que je dois mettre? Tout simplement, je dois retourner le tableau. Donc return bytes avec s. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc c'est très simple. Voilà, je déclare une fonction qui permet de retourner un tableau des bytes, c'est-à-dire le contenu d'un fichier, donc il sera converti en bytes. Et voilà, je vais utiliser donc l'objet FileStream pour lire ce fichier. Et voilà, réserver un emplacement de mémoire pour donc cet objet ou cette variable. Et voilà, je vais lire bien sûr le fichier dans bien sûr cette variable. D'accord? Voilà, ici, je dois faire bien sûr appel à cette fonction. Donc voilà, lorsque je vais bien sûr ajouter. Pour ajouter des commentaires ici, donc par exemple convert, donc file to binary data. D'accord? Donc voilà, très bien. Donc voilà, nous avons fait ici donc cette fonction qui permet bien sûr de convertir un fichier en binary. Voilà, donc cette partie, donc il permet d'ajouter bien sûr un arrivé, tout simplement, donc les informations concernant un arrivé, ça veut dire un courrier arrivé, et après je vais ajouter bien sûr les documents donc de ce courrier donc dans la table arrivée doc, d'accord? Donc puisque j'ai fait appel bien sûr à db.saveChange pour cette action db.arrivée.add, automatiquement j'ai l'accès à ar.idarrivée, ça veut dire l'id arrivée correspondant à ce courrier. Pourquoi? Parce que ici c'est notre DMX, nous avons dit que donc nous avons besoin de l'id arrivée du courrier pour enregistrer bien sûr un arrivé doc, d'accord? Donc voilà, je retourne ici. Très bien, maintenant je déclare un objet donc arrivé donc comme ça, donc AR doc par exemple. Voilà, est égal à new arrivé doc, d'accord? Comme ça, new arrivé doc, d'accord? Voilà, je vais bien sûr affecter donc AR
Donc, ARDoc.it arrivé. Donc, est égal à, hein? C'est l'objet récemment ajouté. Donc, voilà, AR.IT arrivé. D'accord? Pardon, c'est IT arrivé. Pardon, IT arrivé comme ça. Très bien. Et qu'est-ce que je dois mettre ensuite? Je dois parcourir. Voilà, je retourne ici. Voilà, c'est arrivé à la date. Donc, je dois bien sûr parcourir l'ensemble des fichiers qui sont bien sûr uploadés. Donc, c'est list view. Et je vais prendre fichier par fichier et je vais le stocker sur la base de données, bien sûr. Je vais le convertir en binary data et je vais le stocker. D'accord? Donc, je retourne. Donc, voilà. Et je vais mettre ici donc, la boucle for each. Ça veut dire pour chaque élément. For each, comme ça. Et je vais donc taper tabulation. Automatiquement, il va générer la boucle for each. D'accord? Donc, for each, donc, list view item. Pardon. Comme ça, liste view item. Donc, par exemple, item in. Donc, la collection. Donc, texte et pièce jointe. Point. Pensez items. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Automatiquement, je dois déclarer donc, un file info. Voilà, un objet donc, de la classe file info. Donc, F, par exemple, qui nous permet bien sûr de retrouver bien sûr les informations, c'est-à-dire le fichier ou les informations supplémentaires, c'est-à-dire des fichiers. Voilà. Et je vais mettre ici donc new file info. D'accord. Et je vais passer donc le nom du fichier. Le nom du fichier se trouve bien sûr sur la première colonne de list view. Donc, voilà, item. Donc, cet item, ça veut dire la variable de type list view item est égale à, pardon, ici, donc item. Donc, subitem, ça veut dire le premier élément, le premier détail. Donc, voilà, ça veut dire 0 ici, point texte. Donc, voilà, parce que nous avons, donc, sur upload btn. Donc, voilà, j'ai ajouté ces deux colonnes. Donc, la première colonne, c'est fichier. Donc, ça veut dire qu'on contient le nom du fichier. Donc, par exemple, fichier.txt, fichier.xls, ainsi de suite. Et nous avons la deuxième colonne, c'est le chemin complet, d'accord? Donc, subitem 0, c'est celle-là. Et subitem donc 1, c'est ce chemin complet, d'accord? Donc, je retourne ici. Donc, voilà, ici, c'est le nom du fichier. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je dois mettre? Donc, parce que nous avons, bien sûr, cet objet, nous avons une information. Donc, le type document, je pense à type document arrivé. Je vais mettre ici tout simplement f.extension. Ça veut dire l'extension de ce fichier. Je vais enregistrer dans cette colonne ici. Je vais enregistrer bien sûr dans ce champ. Donc, l'extension xls.pdf, ainsi de suite. D'accord? Donc, nous avons bien sûr, donc ARDoc, je dois bien sûr implémenter pour remplir bien sûr les autres champs. Voilà, point, bien sûr. Nous avons le nom du fichier, donc pardon. Voilà, je retourne ici pour s'assurer. Donc voilà, nous avons type ID arrivé. Donc pardon, je pense que j'ai besoin d'un autre champ ici, c'est le file name ou le nom du fichier. Je vais l'ajouter bien sûr sur ma base de données, donc sur la base de données SQL Server. Et je vais bien sûr l'ajouter sur le DMX, c'est-à-dire le modèle de notre base de données, d'accord? Donc voilà notre base de données ici. Très bien. Donc c'est la table arrivée doc. Voilà, je vais passer ici en mode création. Pardon, je pense qu'il est déjà ajouté ici. Tout simplement, je dois actualiser. Voilà, FileName il est déjà ajouté ici. Donc, automatiquement, je dois donc actualiser donc, mon DMX. Je vais retourner bien sûr sur mon modèle. Donc, j'ai créé mon modèle DMX. Donc, clic droit. Et je vais mettre ici, mettre à jour le modèle à partir de la base de données. Et je vais bien sûr mettre ici, actualiser. Et terminer. D'accord. Donc voilà qu'on voyait. Donc ce champ, il est bien sûr ajouté. D'accord. Voilà, je clique ici enregistrer. Donc, il faut faire attention ici. Donc, après chaque modification,
sur le modèle donc DMX, vous devez bien sûr générer votre solution. Pardon, j'ai déjà, je pense, une erreur ici. Voilà, je vais supprimer. Voilà, et je dois bien sûr générer cette solution. Très bien. Donc maintenant, si je vais mettre par exemple ARDoc, voilà, point findName. Donc voilà, et donc elle est bien sûr apparaît ici. Et je vais mettre tout simplement, donc pour le findName, ça veut dire le nom du fichier, je vais mettre ici donc item. Donc voilà, point subitem 0, ça veut dire la première colonne. Donc voilà, point text, ça veut dire comme ça. Donc pour point text, parce que cet élément, donc il s'agit de la liste viewItem qu'on voit ici. Donc je dois prendre le texte de cet élément. Et voilà. Donc voilà, après, je vais mettre ici donc ARDoc. Donc voilà, maintenant je vais sauvegarder bien sûr le contenu du fichier. Donc voilà, contenu file arrivé. Donc c'est un objet donc de type byte, c'est un tableau binaire data. Donc il est égal à, je vais faire appel bien sûr à notre fonction. Donc voilà, get binary from file. Donc voilà, get binary. Donc from file, ça veut dire notre fonction que nous avons récemment créée. Et voilà, je vais passer bien sûr le fichier, ça veut dire le chemin du fichier. Donc il se trouve, donc c'est item. Donc voilà, point subitem, ça veut dire le deuxième, pardon, bon, la deuxième colonne, ça veut dire c'est 1. Parce que je commence du 0. D'accord? Et je vais bien sûr récupérer point ici, très bien. D'accord? Donc après, je vais bien sûr ajouter donc à travers le DB. Donc voilà, db.arrivé. Donc voilà, db.arrivé doc. Donc voilà, point add. Comme ça. Et je vais ajouter bien sûr donc cet objet. Très bien. Il ne faut pas oublier de mettre ici donc db.saveChange. Comme ça, je dois bien sûr valider ces modifications, donc c'est notre base de données. D'accord? Très bien. Donc voilà, nous avons bien sûr le premier élément 1, donc 2, 3, 4. Donc voilà, nous avons bien sûr la première information, donc le premier champ a été arrivé, le deuxième, le troisième, le quatrième. Si je reviens ici bien sûr sur ma table ici, donc nous avons été arrivé, donc il sera bien sûr généré automatiquement. Donc voilà, donc je ne vais pas l'ajouter ici. Donc l'ID arrivé, il est là. Donc le type de document arrivé, il est là. Donc le contenu des fichiers, donc voilà, il est là. Et le fichier et le file name, donc voilà, il est ajouté ici. D'accord? Donc maintenant, je pense que c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre ici, donc très bien, donc un point d'arrêt ici. Et je vais tester. Voilà, c'est très bien. Donc je vais exécuter. Donc voilà, je vais créer un nouveau courrier, bien sûr, avec des pièces jointes. Voilà, pour ce courrier, je vais mettre par exemple 001. Voilà, donc un courrier 001, donc avec des pièces jointes. D'accord? Très bien. Et je vais ajouter bien sûr à vérifier s'il vous plaît. Maintenant, je vais mettre ici parcourir et je vais sélectionner bien sûr donc un fichier docs, donc un fichier Excel et donc un fichier PDF. Et je vais cliquer ici ouvrir. Voilà, si je clique ici sur enregistrer, automatiquement je vais exécuter bien sûr ce code pas à pas. Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça sera exécuté bien sûr, d'accord? Donc voilà, pour exécuter pas à pas, vous pouvez mettre ici donc if this. Voilà. Donc voilà, ici je vais récupérer bien sûr comme ça, donc c'est le prochain, donc next name ID c'est 13. Voilà, suivant, 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 suivant. Donc il va récupérer comme ça. Donc voilà, il a ajouté donc db.saveChange. Donc voilà, il est bien passé. Automatiquement, nous avons l'accès à ID, AR.ID arrivé, comme vous voyez ici. Donc c'est 213. D'accord? Donc il faut mémoriser bien sûr ce ID arrivé parce qu'on va faire un test sur notre base de données. Donc voilà, 213.
Et voilà, je vais continuer. Donc voilà, il va parcourir la liste bien sûr de liste view, les éléments bien sûr de la liste view. Voilà. Donc comme vous voyez ici, donc il contient deux, pardon, c'est pas deux, c'est trois. Donc voilà trois fichiers. Donc comme vous voyez ici, donc trois fichiers. Donc voilà, le premier fichier donc c'est 0, donc Sage XLS. Donc voilà, un c'est facture et deux c'est Elias, par exemple. D'accord? Et je vais continuer, d'accord? Donc le premier élément, il va prendre ici, comme vous voyez, voilà, donc il va prendre le premier, voilà, sage.xls, ainsi de suite, d'accord? Il va faire bien sûr appel à la fonction qu'on voit ici, donc il contient le chemin complet. D'accord, comme vous voyez, donc le chemin complet. Ainsi de suite. Donc voilà, il a récupéré bien sûr le binary data. Je vais ajouter save change et je vais passer au deuxième. Donc la même chose ici. Le troisième. Très bien. Et après, donc il va. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Et je vais cliquer sur continuer comme ça. Donc, on voyait, donc il vient sur ajouter. Si je vais passer ici sur notre base de données pour vérifier. Donc, voilà, c'est arrivé. Donc, voilà, je vais cliquer bien sûr sur. Donc, nous avons ici donc explorateur de solutions, ça veut dire low code. Explorateur de serveurs, ici, on peut ajouter bien sûr la connexion vers notre base de données. D'accord? Si je vais cliquer droit ici, je vais mettre ici donc afficher les données de la table. Très bien, donc on voyait. Donc nous avons ici 213. Donc voilà, il est là. Il contient trois fichiers. Donc on voyait. Donc, pardon. Donc 213, 213, 213. Parce que là, il est arrivé, c'est 213. Donc voilà, là, il est arrivé. Donc c'est un auto-incrément. Donc il s'incrémente automatiquement. D'accord? Donc l'extension du premier fichier, donc c'est XLS, PDF doc. Donc voilà le nom du fichier. Et voilà, vous voyez ici donc le contenu du fichier. Donc c'est. C'est un contenu binaire, donc il est converti bien sûr en binary data et il est bien sûr sauvegardé automatiquement sur notre base de données. Voilà. Donc je m'arrête à ce niveau-là. Donc pour la prochaine séance, on va voir comment bien sûr, comment faire bien sûr l'édition de ces documents, comment bien sûr supprimer un document, comment bien sûr le télécharger. Si par exemple on veut bien sûr exploiter cette information, on va le télécharger après, par exemple on va l'utiliser ultérieurement. Automatiquement, j'ai la possibilité de, lorsque je clique par exemple sur un bouton, je dois récupérer le fichier que nous avons bien sûr enregistré avant. D'accord? Voilà, donc merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.